faire la soupe tout de suite? Mais non, c'est tout sans dessin. La soupe, c'est pour mettre dans le spaghetti. Bing, bing, esti. Yeah! Un film à voir avec ta tête, esti. Yeah! Il y a un personnage qui était vraiment pas très bavard dans Elvis Graton 1 et je vous mets au défi de comprendre ce qu'il disait. Il y a une chanson
une chanson pour le show d'Elvis Graton. Puis là, on a engagé un compositeur. Le gars, il dit, mais quelle parole tu veux là-dessus? Fait que moi, je dis, mais n'importe quoi, je comprends pas l'anglais. Moi, c'est, tu peux dire, madame. Fait que là, il dit, ben oui, mais il faut dire quelque chose. Mais je sais pas, je chante le God Save the Queen, n'importe quoi. Là, il dit, arrête de niaiser, Falardeau. Je dis, tiens, chante ta liste d'épicerie. Le lendemain, on est arrivé, moi puis Poulain, avec la circulaire Provigo. Poulain avait la circulaire Richelieu. Puis il y a plein de mots anglais là-dessus. Ça fait qu'on a écrit une toune qui est la circulaire Provigo. C'est quoi les... Ça, par exemple, genre... t'avais le public sac devant toi. Oui. Là, t'avais le musicien qui est Jean oui. Saint-Jacques, compositeur. Oui. Puis on lui disait « Chicken leg », ça sonne ça, hein, man. Oui. Bon, « Pork chop ». Tu fais une chanson et ça, c'est facile. Mais comme donc, l'art... Donc, c'est chicken leg, pork chop... Non, mais comme l'art aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On s'est dit, hey, on va vous en faire du n'importe quoi. Non, mais tu sais, il y en a plein à c'est quoi du n'importe quoi. C'est plein partout. Mais ça se le monde l'achète. Alors, on va vous en faire du n'importe quoi, si vous aimez ça. Donc, on va pouvoir entendre ce grand succès-là. N'importe quoi. C'est-tu bon, la toune, Néo, le centre? Ah, ouais, c'est bon? Oui, on est au garage, des fois, le soir. Ah, ça sonne bien. Mmh. Ça sonne bien. Tu dis, Pierre, que souvent, tu t'inspires des folies que Julien fait dans la vie pour faire le film, par exemple, la scène du ski de fond qu'on a vu tout à l'heure. Tu t'es inspiré d'une vraie histoire qui est arrivée à Julien. Est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça? Dans ce film-là, c'est ça, des fois, il y a toutes sortes d'affaires, dont une des affaires, c'est des fois, je m'inspire des maladresses de Poulain. Dans ce film-là, il y a une séquence d'un documentaire français sur un rocker qui coupe du bois à chainsaw. Puis c'est arrivé à Poulain, la première fois que Poulain a pris une chainsaw dans sa main, évidemment, il s'est pris dans l'arbre. Dans le premier Graton, la séquence du casier, c'est une vraie séquence. J'ai déjà vu Poulain à Amsterdam essayer de rentrer sa valise, qui était grosse de même, dans un casier gros de même. Là, j'étais assis et je le regardais, je me disais, gros calme. Et ça, après ça, j'ai dit, bon, on a un autre numéro. Mais ça, souvent, il y a des maladresses de même. Moi, je le regarde aller. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Il y a une pièce à faire avec ça. Puis parce que Pierre dit aussi qu'il y a beaucoup de choses du film qui viennent de toi. Comme l'idée de Linda avec les extraterrestres, ça vient de moi. Moi, moi puis Pierre, on s'est toujours entendu. On ne départage pas comme ça. Mais moi, j'ai travaillé au synopsis, coup ici, avec oui. Pierre. Mais Pierre, il a écrit les dialogues. Mais tu as travaillé beaucoup au synopsis. Oui, on a travaillé ensemble. C'est ça, à un moment donné, il y a des idées qui viennent de lui. Il y en a qui viennent de moi. Il y en a qui viennent de Méo. Moi, je vole tout ce que je peux. C'est un gros milkshake. Oui, c'est ça. C'est une danse. C'est le milkshake dance. Oui. C'est une danse. Vous êtes tous les trois des amateurs de boxe, hein? Mais où t'aimes ça autant que Pierre et Julien? Ouais. Alors aujourd'hui, on va être là. Vous allez être là demain soir. Demain, ouais. Ben, on est à moins de 24 heures du combat. La pesée officielle avait lieu aujourd'hui dans nos studios, ici au Point J. Et bon, ils sont mis en culotte là, pour faire la pesée, pour voir s'ils pesaient bien. Il fallait qu'ils pèsent pas plus que 160 livres. Et on a rencontré tout de suite après Stéphane Ouellet et David Jun. Alors, on vous présente ça tout de suite, des entrevues avec les deux boxeurs. T'es juste, toi, 159.9, là? J'ai pas fait. C'était mon objectif. Si j'avais mes bas, j'avais enlevé, sauf que c'était... T'as-tu pensé à ça, que tu pouvais enlever tes bas? Oui, j'avais comme un 500 grammes de l'eau, sauf que c'était mes bas. Au pire, t'enlèves les culottes aussi, de te mettre une serviette. Ça, c'est ça, depuis tant là. Que tu manges du gros chocolat, des chips? Non. Je laisse... Laisse ça pour Stéphane. Non, moi, j'ai spaghetti poulet pour la protéine. La poutine? Protéine. Ah, protéine. Oui. Oui. Est-ce que tu détestes vraiment Stéphane Ouellet? Est-ce que vous haïssez profondément? Je ne connais pas comme fou, là. Son caractère, je déteste, oui. L'air quand il marche, il fait... Peut-être que c'est la face de lui, mais... Et comme ça, moi, j'en prends. Il n'aime pas la face? Non. Non. Ça fait 2 mois que je vis avec lui dans ma tête à chaque minute, puis je suis écœuré, j'en ai plein mon casque. C'est très difficile. Après ça, je vais être libéré de ça, ça va être fini, that's it and that's out. Mais l'aïs-tu plus que d'autres adversaires que t'as eu? C'est officiel, c'est garanti. Il y a un conflit de personnalité très grand. Tout ça, ben là, c'est des raisons personnelles que je pourrais te dévoiler, sauf que, tu sais, il savait vraiment en affaire pantoute, sauf que là, pour plein de raisons, il fallait que ce match-là ait lieu. Puis comme je l'ai dit, ça fait 2 mois que je l'ai vécu à tous les jours dans ma tête. Très difficile avec quelqu'un que t'aimes pas. Si vous vous retrouviez tous les deux dans un ascenseur, là, oui. Qu'est-ce qui se passerait? Rien. Dépend de lui. S'il veut
commences quelque chose, c'est parfait. Ferme la porte, pousse le bouton stop, puis commence. Si il garde pas, parle pas, même chose pour moi. OK. Et si vous rentrez... C'est bonne place pour les hommes, c'est dans l'ascenseur. Pas trop place pour courir. La porte est fourrée. Très bonne place. Si tu es dans un ascenseur avec lui, ça n'arrivera pas. Ça arrive. On ferme la lumière, il y en a quelqu'un qui sort. C'est-tu toi? Oui. Ta mère a dit qu'elle aimerait mieux que ce soit elle qui mange des coups que toi. Elle aimerait mieux souffrir à ta place quand elle te voit. Ça, je la crois pas. Dans un sens, je veux parler, mais elle la serrait une fois, elle m'a remettrait à l'essai volant. T'as-tu des trucs, toi, pour enlever les taches de sang sur les vêtements, là? Parce que, tu sais, mettons, moi, là, ça m'intéresse, là. T'as-tu une façon spéciale de faire ton lavage? À l'eau fraîche avec du sel, ça part. Ouais? Ouais, ça part, mais tu le jettes, tu sais. Nettoyeur, c'est tout. Les culottes, j'avais pour le combat, même dans le combat, je mets dans le nettoyeur, puis j'ai encore le spot de sang de Stéphane dans le... Ah oui? Oui. Donc, tu as les mêmes shorts avec un spot de sang, du sang de Stéphane de la dernière fois? Oui. Ah oui? Oui? Oui. Je veux savoir? Oui, madame, monsieur, ça, c'est le sang de Stéphane Ouellet ici. Avant, j'avais un autre spot par là, puis un autre spot par là. Appelle le combat, c'est partout. Il faut savoir lequel des deux, Hilton ou Ouellet, qui lave plus blanc. C'est ça, c'est ça. As-tu vu le film Elvis Graton, toi? J'ai vu le film Elvis Graton 1, oui. Puis j'ai hâte au deuxième. C'est quoi ta scène préférée dans Elvis Graton? Quand il met des brillants, c'est pas de l'orgueil. C'est comme quand il est avec sa femme, il me paraît, il est drôle. Puis c'est une belle relation de respect en même temps, tu sais, c'est une double, c'est drôle. J'aime bien ce petit couple-là. Hey, puis des diamants, j'en veux, hein, c'est pas de l'orgueil, majeur. Avec Vivo Berlei, un duo exceptionnel avec Andrea Bocelli.
Schmitt et voici leur nouvelle Porsche Boxster. Monsieur Schmitt la conduit les lundis, mercredis et vendredis, mais doit en échange s'occuper du chien. Madame Schmitt a droit au mardi, jeudi et au très convoité samedi, mais doit préparer trois fois la semaine le plat favori de Monsieur Schmitt, un Pinkelwurst. Le dimanche, ils se partagent la Boxster. Et le pauvre Klaus qui vient d'obtenir son permis de conduire? Hélas, comme dans toute querelle familiale, le plus dur, c'est pour les enfants. La Boxster, comme toujours, sans compromis. Là, on nous a dit que vous étiez en train d'écrire un livre. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça va s'appeler « Ma vie, my life ». Moi, j'écris directement bilingue, hein, pour sauver du temps. Vous écrivez bilingue? Moi, là, je suis fluent dans les deux langues. Je parle bilingue parfaitement, sans accent. Thank you.
conserve toute la saveur. Ils peuvent en manger du gâteau encore et encore. Pourquoi y a-t-il une super vente Uniprix? C'est vraiment des économies. Quoi, économies? Je sais pas. C'est quoi des économies? C'est une machine à faire des sous. C'est la super vente chez Uniprix. Serviette hygiénique Stay Free et Stay Free Prima, 2,77 avec coupon. Liquide à vaisselle Sunlight, 1,49 $. Si on avait beaucoup de sous, on pourrait acheter une grosse piscine. Puis aussi, une glissade. Aussi, on va acheter une tortue pour toi et une tortue pour moi. Si vous aimez la bonne cuisine, vous aimerez le poulet Prime Maple Leaf. Un excellent poulet de grain, spécialement préparé selon les normes Maple Leaf les plus strictes. C'est le poulet le plus savoureux, le plus tendre que vous puissiez servir, et c'est un choix avantageux. C'est aussi pourquoi de plus en plus de familles servent le poulet de marque Prime Maple Leaf, toujours aussi tendre que délicieux. Rien d'étonnant si c'est le chef exige du Maple Leaf. Le poulet Prime Maple Leaf, de l'excellent poulet à tout coup. Cet été, vous aurez une bonne raison de redécouvrir le Canada au volant d'une mini-fourgonnette Chrysler. Car pour une période de temps limitée, la mini-fourgonnette Chrysler 15e anniversaire vous est offerte avec deux portes coulissantes, moteur V6, glace à écran solaire et couleur platine pour seulement $269 par mois. Quant aux autres raisons de parcourir le pays, il n'en tient qu'à vous de les redécouvrir. Procurez-vous gratuitement un guide voyage des événements et courez la chance de gagner un voyage de rêve en passant chez votre concessionnaire Chrysler. Le peuple s'est prononcé. Science. Au diable l'ordre. La vérité va sortir aujourd'hui, d'accord? Faites-moi confiance. Monsieur, 10-19-70-29. Si je dis que je t'aime. Une proposition. J'ai besoin de vous. Indécent. Ce n'est que mon corps. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon cœur. Diana! Je croyais qu'à nous deux, on était invincibles. Ce dimanche, 20h. Une équipe de scientifiques a créé l'accès à un univers simulé. Vous croyez qu'une de ces unités aurait fait son avantage? Mais ils n'avaient jamais imaginé. C'est à quel sujet? Que l'expérience, c'est une erreur. Ces personnes sont réelles. Auraient son propre esprit. Le 13e étage. On pourrait appeler ça la fin du monde. Dès le 28 mai dans les cinémas et cinéparcs. Qu'est-ce qui vous amène cet après-midi? Vous êtes mon héros. On vous aime parce que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, puis on aime comment vous pensez. Vous voyez grand. Think big. Ça nous donne de l'espoir, nous autres, les jeunes. Oui. Ben, pareil comme mon chum, hein? Puis à part de ça, vous êtes tellement beau. Et tu joues dans Elvis Graton 2? Oui. Quel personnage joues-tu? Steve. Il s'appelle Steve, pour vrai? Ben oui, il est avec son père qui lave des vitres. Puis les deux, son nom de famille s'appelle Steve. C'est tout un dialogue qu'il y a. Les seuls mots, c'est Steve. T'as-tu aimé ça? Ça dure 10 minutes. T'as-tu aimé ça, jouer dans Elvis Graton? Oui. Oui? Puis, est-ce que toi, qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il un dialogue? Poulain, il demande son nom, puis il dit Steve. Il dit, non, je veux savoir ton nom. Il dit Steve. Là, il fait avec ça. Puis, l'as-tu trouvé drôle, là? On se comprend. Oui, un peu. Oui, puis tu comprends. Quand Méo parle, est-ce que tu le comprends, Méo? Non. Non, tu ne le comprends pas. Hein? Il y a juste Julien qui le comprend. Merci beaucoup. Qui a fait ton beau costume? Ma mère. C'est ta mère qui a fait ça? Oui. Oh. Est-ce que tu as passé l'audition pour jouer dans Elvis Graton? Oui. Oui? Puis pourquoi c'est lui qui a été choisi? Parce que les autres, ils gelaient. Lui, il était capable de faire n'importe quoi. Il y en a dedans?